Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Pokémon Stadium. Et aujourd'hui, je dis beaucoup aujourd'hui, je sais, on va continuer le Colisée avec la Pikachu. C'est parti. Alors, niveau 15 à 20. Vous savez quoi, pour une fois, je vais faire une ellipse et je vais vous passer les Pokémon que je vais inscrire parce que je sais que c'est long. Et puis voilà. Bon. Ouais, je vous dis à tout de suite. Voilà, Relégeant, donc c'est bon, j'ai fini l'équipe. Alors, j'ai pris Herbizarre. Karabaf, Magnity, Onix, Nanaf et Ponyta. Donc, oui, j'ai pris deux starters. Mais j'ai aussi pris deux types plantes. Mais bon, si j'ai pris Nanaf, c'est surtout pour son type psy. Et non pour son plante. Parce que de toute façon, il n'a pas d'attaque plante. Il a, par contre, il a psycho. Et puis, ben voilà, l'équipe. Voilà. Eh ben écoutez, on va continuer tout simplement. Pikachu, combat 1. Alors. Ouh, déjà on va prendre le 9. Bonjour le 9. On va prendre Onix. Ouais, si je prends Onix, c'est trop simple. Je m'en fous. Et on va prendre. Attends, comment on regarde les attaques déjà? Voilà, comme ça. Alors, lui il a ça. Donc, je vous montre un peu. Hein. Tu sais, il a ça. Ah oui, lui il a danse là, mais plaquage, donc c'est pas mal. Ça peut être intéressant. Lui. Tonnerre, météore, clonage, cage éclair. Voilà. Là. Et voilà. Ah, et en troisième, on prend Ponyta. Que des trucs super efficaces. Ok. C'est parti. Allez, 9-9. Des œufs à la coque. Abou. Abou. Ekans. Ekans et 9-9, je sais plus comment c'est en anglais. Écoutez, psycho, super efficace. Hein. Bon, c'est comme avec la coupe, la petite coupe. Hein. Les premiers combats vont être simples, puis vers la fin, ça va se corser un petit peu. Ok, bon, une baisse à la défense aux F. Psycho. Allez, vas-y, prends-toi ça. Est-ce que ça lui fait très. Oui, ça lui fait très très mal. Parce que la vie descend pas très vite, donc des fois, je me dis, ah, il va peut-être résister. Et puis en fait, non. Voilà, Abo est mouru. On voit qui maintenant. Il envoie Papillusion, Insecte et Vol. Ok. Insecte et Vol? Oui, Insecte et Vol. Je fais combien de dégâts avec mon buff? Ok, il fait charge, pourquoi pas. Avec un Papillon, tu vas faire grand chose, monsieur. Ok, combien de dégâts je t'enlève? Enfin, si je touche déjà. Ok, on va tester un psycho. C'est stabé. Ça devrait faire plus de dégâts. Ok, choc mental, c'est pas efficace. Bon, je vais essayer de pas switch. Hein. Bah, psycho. Ok, bon, on lui met un coup et puis il est mort. Allez, un dernier psycho, comme ça, Papillusion. Au revoir. Choc mental, pas efficace toujours. Il doit. Ouais. Il peut avoir quoi? Charge, sécrétion, armure, choc mental. Je sais pas s'il a les poudres. Ok. Au revoir, monsieur Papillusion. Il envoie Coconfort. Ok, d'accord. Ce Pokémon ne peut strictement rien nous faire. Donc, psycho, et puis il sera mort. Oui, ben combat illégal, hein, c'est premier combat et puis c'est tout. Hein. C'est pas ma faute, c'est simple. Ah mais lui, attendez, ils m'ont pas demandé la difficulté en fait, du coup c'est obligatoirement niveau 2. Oh shit. J'espère que je vais pas trop galérer. J'espère. Est-ce que je vous rappelle que sinon les autres coupes étaient déjà faites en soi. Ok, on a gagné à continuer vu qu'on a perdu de Pokémon. Et on continue. Combat, tout. Ok. Il a 3 Pokémon faibles face à la roche, donc à Onix, avec éboulement. Donc je me prends, et puis ben, je peux faire signe sur Akayu sinon. On va prendre Ponyta. Et
En troisième. Attendez, je regarde. Ah, Karmaf ou Neneuf, peut-être. Neneuf. Non, pas Neneuf en fait. Karbaf. Voilà. On vient de prendre le 9. Puis surtout, il a 3 Pokémon vol, donc bon, on sait jamais. Allez, Onix. Air bizarre. On commence bien. Bon, bah, on va switch. On va envoyer Ponyta. N'est-ce pas? Allez, Onix. Tu reviens. On dit que sans vous utiliser, c'était genre le Pokémon badass. Ok, fait Foilian. Je vais en faire de switch. Si on mettait un x4, ça faisait très très mal. Les flammes de Ponyta sont bizarres, je trouve. Ah oui, il est en Palkan, j'ai pas fait gaffe. On fait déflagration. C'est chiant parce qu'ils ont soit déflagration, soit flamèche. Donc c'est un peu. C'est un peu chiant, je trouve. Je préfère lance-flamme. Moins ça touche, ça fait des dégâts. Flagration, ça risque de. Ça risque de rater. Flamèche, bah, c'est pas très puissant. Bah. Un type vol. Je parie. Ah. C'était un petit peu prévisible. Vu qu'il avait trois types vol. Je vais re-switch. Puisque de toute façon, il pourra rien me faire avec son recoups sur mon. Sur Onix. Strictement rien. Rocous ne peut apprendre aucune attaque qui puisse battre Onix. J'ai beau réfléchir, je ne vois pas. Surtout dans cette génération-là. Avec que la première génération. Ok, elle nous fait un vie-attaque. Putain. Le Rocous dans ça, dans celui-là, dans ce jeu-là, il a tellement l'air de galérer à voler et tout, je sais pas. Il est pas du tout souple quoi, je sais pas, c'est. Il est bizarre. Éboulement, toujours ce bug du trou noir. Quand vous faites éboulement ou tombe roche. Enfin, je crois que ça le fait aussi avec tombe roche, hein, il me semble. Ok, il fait coupe-vent. Non, je sais pas, je crois pas que ce soit coupe-vent. Oh, je sais plus. Osef. Je sais plus. Ok, on le finit. Ah merde, on l'a raté, bon. Coupe-vent, ouais c'est ça, c'est coupe-vent. Bon, c'est normal, hein, ça peut me faire mal. Ouh là là. Qu'est-ce que j'ai mal, dis donc. Ouais bah attends, tu peux le finir avec force en fait. Vas-y, finis avec force, mais fais pas de vue attaque, monsieur. Bah. Ouh là là, coup critique, attention. Ouais. Ah oui, voilà. Avec force, elle fait aussi ce bug. Bon, je pense que c'est parce que je joue sur émulateur. Je pense pas qu'il soit sur vraie console. Oula. C'est tellement moche. Mon dieu. Et il envoie Nos sur le petit bon. C'est bon, on a gagné. Bon, je vous dis, hein, les premiers combats sont vraiment très simples. Vous l'avez vu sur la coupe précédente. Combat inégal, mais tu vas pas dire ça à chaque fois. Hein. Même. Oui, c'est super efficace. Voilà, il est KO, on a sorti, au revoir. On a fait le deuxième combat. Plus que deux, et puis j'arrêterai la vidéo. De toute façon, je fais toujours ça. Hein. Combat 4 par 4. À l'heure où je tourne ça, j'ai pas encore posté la deuxième partie de la première coupe. Continuer. Donc, voilà. D'ailleurs, pour ceux qui voient cette vidéo, enfin, j'ai atteint les 100 abonnés hier, donc le 25 juin. Et bah écoutez, ça me fait super plaisir. Et puis voilà. Alors attendez, je. Donc déjà, on va prendre Magnéti, Onix et Air Bizarre. Et oui, donc merci pour les 100 abonnés. Et alors, j'ai fait une vidéo. Par contre, je pense qu'elle tardera à arriver, donc. Pour ceux qui voyaient cette vidéo là, pas beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, donc bon, désolé pour le retard de la vidéo si elle arrive.
Je sais pas du tout quand est-ce que je pourrais la sortir. Ok, donc Ramolos prend très très cher. Au revoir. Au revoir, Ramolos. Pas en flèche, ouais, exactement. Tu envoies qui maintenant? Tu envoies. Ok, d'accord, il envoie son Magikarp, pourquoi pas. Bah, retonnerre. Hein. Bon, là, Magnéti est que type électrique, hein. Il n'est pas assez électrique. Donc, c'est juste efficace, mais mon Magikarp a tellement peu d'attaque. Que voilà. Au revoir, monsieur Magikarp. Oui. Et il envoie son 3D. Bon, je pense que c'est un typo, sinon il aurait déjà envoyé Nidoran. Ouais. Carabaf. Carabaf. Et on refait un tonnerre. Ok, il fait un pistolet à eau, pourquoi pas. Est-ce qu'on one shot, vous croyez? Moi je dis que non. Moi je pense qu'il résiste. C'est un Carabaf quand même. Et non, il se. D'accord, on a OS tous les. On a OS les trois. Mais écoutez, tant mieux. Comme ça, il reste un combat à faire. Et puis voilà. Fin combat. Ça aurait pu mettre fin du combat quand même. Je sais que j'arrête pas. Je sais que j'arrête pas avec ça. Ok, on a un continué de plus. On fait un quatrième combat. Et puis voilà. Bon, la vidéo sera pas très longue, mais bon, c'est pas grave. Ok, une team entièrement feu presque. Partiellement. Et l'autre, c'est Psy et Sol. Ok. Alors, déjà, on va prendre Carbaf. Comme ça, on peut buter tout le monde. On peut mettre KO tout le monde. On peut faire super efficace sur tout le monde à part support FX. Ok. Ce profil a quoi d'efficace sur le petit peu psy quand il n'y avait pas ténèbres? Il y a insectes et ténèbres. Insectes et spectres, pardon. Parce que ténèbres n'existait pas encore dans le jeu. Enfin, dans Stadium, ça n'existe pas encore. Morsure est de type normal. Qu'est-ce que je peux faire contre lui? Eh bien, écoutez, on va prendre Onyx. Et Onyx et. Et Magnéti, c'est parti. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Carabaf. Sablette. Sable. Sable. C'est un sablé. C'est les petits sablés. Allez, un surf. Tu vas mourir. Tu-tu. Coup critique, bon bah. Coup critique, et bien au revoir alors, monsieur. Sablette est bien fait, je trouve. Hein. Sablette est très bien fait. Sans le chou. Sans trou, en anglais. Ta-ta-ta-ta-ta. Soporifique, bon, je pense pas craindre beaucoup de lui. Hein. On va faire un surf, allez. Tintin. Allez, qu'est-ce qu'on va lui faire comme dégâts, vous croyez? Qu'est-ce qu'on va le faire? C'est tout. Oh. Elle résiste bien. Choc mental. Ok. Il va nous enlever quoi? Mouais. On va switch. Hein. Au cas où. Je préfère switch. On va envoyer Onyx. Et on va faire un séisme. Je pense que le physique lui fait plus de dégâts. Enfin, si c'est une physique, parce que bon. Avant c'était un peu le bordel avec le physique et le spécial dans les anciennes générations. Bon. Par exemple, feinte c'était spécial. Avant. Aïe, putain. Bon, je crois que ce soporifique est pas très rapide, donc. Oh, est-ce qu'on fait un destruction les gens? Allez, on fait un. Oh, je sais pas. Voici, allez, on est fou, on fait un destruction. Ouais. Boum.
Bon bah voilà. Destruction. Façon, il allait nous tuer. Bon. Une fois qu'on peut prendre le plaisir de faire une destruction, je dis pas non. Ça change un peu. Tintin. Ok, donc nous on envoie Carbaf, il a forcément un type faible face à Carbaf, il envoie Caninos, ok, on lui fait un surf, et il devrait être KO, ce petit Caninos. Ok, il nous fait un morsure, donc morsure est de type normal. Et non, ténèbres, vu que le type ténèbres n'existait pas, tout comme le type acier. Voilà. Tintin, tintin. Et il est KO, c'est bon. Yeah, c'est cool. Voilà, et eh ben, c'est cool tout ça. Ok, on a perdu un seul Pokémon. Ah oui, mais mince. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Si on n'avait pas fait exploser Onyx, on aurait pu avoir un continué. Si on l'avait OS Axis. Je pense que oui, mais bon, c'est pas grave, on a déjà trois continués, ça fait même un smiley, regardez le petit smiley. Et puis sur ce, moi je vous dis bye bye, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et bah, portez-vous bien, tuteur dans la description, n'hésitez pas à liker, commenter, et je vous dis au revoir. Allez, bye bye tout le monde.